Bonjour à tous, bienvenue dans Live Story, l'émission qui vous emmène dans les coulisses, backstage, à la rencontre de vos artistes préférés. Je vous emmène au Grand Rex pour le grand concert de la diva de la musique africaine, Charlotte Dipanda, tout de suite. Da da da.
J'espère que ce medley du concert de Charlotte Diponda au Grand Rex vous a plu. Allez, je vous emmène ailleurs, tout de suite. Tous les lara quitté, affaire avant moi. Gucci, Louis Vuitton, la Versace, mission d'affaires Sanché. Anytime, anytime, toujours clean, mes gars sont tous bien sapés. What else? Pour les fans du style, de la démarche au la montre à la liberté. Sure. Mon style est fire, fire, fire. De la Maxence, le soyez stylé à outrance. Sure. Le terrain glissant, blessant, saignant. Hop. La coupe gorge, gorge. On frappe tout ce qui s'oppose. La démarche s'impose. Le charisme puissant, étoile filant. Toi, qu'est-ce que tu proposes? Sure. Les Anamakila, Asaïe si Dolce na fila, Dolce na fila. Bolongo nanzela, religion qui teni, neti papa Wemba. Poison mon boutou, comment ça va? Très bien ma Bella, what else? Bah écoute, moi ça va, ça me fait plaisir de te voir. Près de 15 ans de carrière, Poison mon boutou. Aujourd'hui tu nous reviens avec un single, Détail pute. Alors est-ce que tu peux m'expliquer déjà avant de parler de ce single, comment ça se fait que Poison qui a collaboré avec beaucoup d'artistes comme Youssoupha, Fally Ipupa et j'en passe, aujourd'hui il n'y a pas encore le truc? Bah, ça décolle pas comme il faut. Ouais, ça décolle pas. Bah, je pourrais dire que bon, ça a décollé quand même à une période quand j'ai débuté. Mm-hmm. C'était bien, on a fait le rap français comme il se doit. C'est comme je dis, ma génération, c'était l'époque de Seth Gecko, Escobar Maxon, Despo Routy, Isaac, Youssoupha, Cousine. Mm-hmm. Et voilà, on reste toujours dans le concept. Et moi, j'ai toujours été dans ce délire congolais. Et voilà, même au début, quand j'ai commencé, j'avais toujours ce concept, ce côté Lingala. Mm-hmm. Même quand je rappais, je mets toujours des mots Lingala. Avant, on me disait, mais c'est bizarre, pourquoi tu mets des mots Lingala, ça fait blédard. Mm-hmm. Aujourd'hui, tu peux voir, hein, tout le monde est en mode... C'est devenu une mode. C'est devenu une mode. Donc voilà, on a milité pour ça. Ouais. J'ai travaillé pour ça. Bon, les monsieur R, mes anciens, ils ont commencé avec le Lingala. Moi, j'ai vraiment achevé, j'ai vraiment poussé le bouchon loin. Aujourd'hui, voilà, on est là. Oui, il y a, comme on dit, il y a toujours des hauts et des bas. Bien sûr. Ben, j'évolue calmement. À un moment, j'étais un peu en retrait. Parce que voilà, j'ai eu des petits soucis de la vie. Oui, et là, on revient calmement. Parle-nous de ce single, Détail pute. Détail pute, c'était... Alors déjà, le titre. Le titre, déjà, il est... Oui, il est déjà fort. Est-ce que c'est pas de la provocation, ça? C'est un concept. C'est comme nous, en Lingala, on peut dire... Sida Bilélé. Mm-hmm. Genre Sida Bilélé, ça veut rien dire, mais c'est dans le sens où le truc il est poussé. Mm-hmm. Tu vois, bien Zamba Bilamba, tu vois, ça veut rien dire, mais c'est un truc qui veut dire que voilà, les vêtements, j'aime les vêtements. Tu vois, j'ai grandi dedans, j'aime le swag, j'aime. Tu vois, donc voilà, pour moi, Détail pute, c'est un concept un peu poussé. C'est, les gens vont dire, mais c'est quoi ce titre un peu fou? Ouais, c'est osé aujourd'hui. C'est osé, exactement. Oh, ouais. Donc Détail pute, c'est des vêtements sans limite en fait, tu vois. Donc aujourd'hui, on t'appelle aussi quelque part un peu le Rick Ross, hein, de par ton style vestimentaire, exactement, la façon dont tu te positionnes, etc. Ouais, j'aime beaucoup cet artiste parce que déjà musicalement, il est très fort. Le concept, le charisme, il a une image, tu vois, c'est quand tu vois Rick Ross. Et... J'aime bien. Moi, ça fait longtemps que je te suis et j'aime le personnage parce que je pense que tu as le style, tu as ce qu'il faut. Donc forcément, on se pose des questions en disant, mais avec tous les chanteurs avec qui il travaille, il n'y a pas encore le décollage qu'il faut, etc. Est-ce que c'est parce qu'il y a de la jalousie autour? Bah, je pense, peut-être, oui. Après, on ne sait pas très bien, mais moi, je fais mon travail, je fais mon boulot et Dieu seul sait quand est-ce que ça bien va sûr, peut-être bien sûr exploser mondialement. Mais en vrai, quand tu écoutes ma musique, elle n'est pas moche non plus. Mm-hmm. Elle est bonne. Après, c'est juste l'exposition.
ou peut-être c'était l'équipe avec qui je travaillais. Moi, je dirais pas qu'ils n'étaient pas bons ou quoi que ce soit, mais après, il y a toujours des paramètres, des petits détails que faut bien ficeler. J'ai signé même dans un nouveau label, c'est CGM Prod. Okay. Et voilà, et je pense que ça ira. Là déjà, Détail Coup, c'est sorti, que des bons retours. Oui, donc oui. Voilà, et aussi le problème que j'avais, c'est que quand je sortais un titre, je mettais du temps avant de ressortir un autre. Ce qui fait que voilà, ça accrochait les gens, après les gens lâchaient parce que le poison disparaît à chaque fois. Donc voilà, oui, aujourd'hui c'est... je peux faire le fond Thomas. Donc là je reviens, ouais. Je suis déjà sur un deuxième titre que je prépare. Donc on va essayer de marteler, que le peuple, que le monde entier sache que voilà. Poison est là et de retour, mais pour de vrai. Est-ce que tu penses pas que le fait que tu aimes la mode, etc., tu vas peut-être créer ta marque? Bah, j'y pense, et ça viendra au futur, et on essaiera de faire un vrai truc. Vraiment qu'il y ait un concept, faut qu'il y ait, tu vois, c'est... Il faut connaître effectivement ton style, parce que c'est vrai que moi, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est tous ces rappeurs ou chanteurs, quand ils chantent, même dans ton dernier clip, où tu parles des marques, des grandes marques qui sont connues, aujourd'hui ils n'ont pas besoin qu'on parle d'eux. Exactement. Alors est-ce que tu te dis, bon, à un moment donné, il va falloir quand même que je crée mon style à moi? Je dirais que voilà, les autres qui font des marques, des t-shirts, etc. Moi, pour moi, c'est plus leur image qu'ils vendent, en vrai. C'est les fanatiques qui suivent. Mm-hmm. Mais il n'y a pas encore un truc où, tu vois, ça, cette marque, elle déchire. Tu vois, pour moi, c'est... Je portais ce t-shirt parce que un tel l'a porté, parce que Bouba l'a porté, parce que Gradure l'a porté, ou parce que Niska l'a porté. C'est un peu ce truc-là. Mais moi, je veux vraiment ramener un truc où, ah ouais, papa, maman, les jeunes, les enfants vont porter. Parce que c'est bien, et oui, parce que c'est poison aussi derrière, mais parce que le truc qui claque. Je vais reprendre un de tes titres, À cœur ouvert. Buenos. Ceci n'est pas un clash, mais comme on dit, il n'y a que la vérité qui blesse. J'ai choisi un son simple, un piano simple, pour dire des vrais trucs, car vous êtes trop teubés. Les Congolais crient Kabila dégage alors qu'il y a encore plus longtemps. Simple. Neymar avec tout le buzz qu'il a pourrait baiser toute la capitale. Bizarre quand je rencontre un barbu dans le métro, mon cœur explose. Simple. La plupart des sacs Hermès de vos meufs viennent de la Chine. C'est les hauts clash valides, poupa, mais il le calcule même pas. Simple. Un homme sans deuxième femme ou maîtresse est un homme maudit. On n'épouse pas une femme par sa beauté, plutôt son charisme. Simple. C'est relou quand la mère des gosses fait n'importe quoi sur Snap. Tu charbonnes toute l'année pour gagner ce que Eto gagne en un jour. Simple. Igor Balois tenter de se tuer pour mes G30, mais sois toujours ensemble. Dans le fond d'héritier Ouata, tu verras peut-être ta femme à poil. Simple. La fille de Nimolo, il faut. Alors, est-ce que dans ce titre-là, c'était un clash par rapport à d'autres rappeurs où tu avais besoin de dire certaines choses par rapport à l'Afrique ou autre, hein? Ouais. Non, c'est pas du tout un clash, c'est juste une réalité que j'aurais transcrit sur ce titre. Donc voilà, les gens l'ont pris pour un clash, mais en fait c'est la vérité. Quand je parle de Benzema qui n'est pas en équipe de France, après c'est marrant en même temps, j'ai mis ce petit côté pour rigoler. Et voilà, c'est aussi une reprise de mon poteau Elsan, de basique, simple. Donc voilà, j'ai juste raconté ce qui se passait et j'ai mis ça. Et ouais, pour beaucoup, ils ont pris ça pour un clash. Mais ouais, je sais pas, clash, parce que je n'insulte pas, oui, ça fait parler quoi. Je n'insulte pas, je dis juste la vérité. Est-ce qu'il y a un album qui va arriver derrière ou pas? Petit à petit, je suis en train de préparer, je suis en studio. J'enregistre des titres et en fonction de la demande aussi. Voilà, ça prend bien parce que là déjà avec des tailles petites, ça prend bien. Donc il y a de l'espoir, très, très bien. Ça donne envie de faire un album. Donc oui, pourquoi pas. Donc là, avec la production, c'est CGM Prod, on est dessus. D'accord, il y a des featuring, j'imagine. Il y a des featuring, pour l'instant, c'est encore secret, mais... ça va arriver très bientôt, donc restez branchés, suivez Poison au bout tout sur mes réseaux, Instagram, Snapchat, Facebook, ma page. Donc voilà, pour avoir plus de news et voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui, Poison au bout tout? D'aller de l'avant, de réussir, hein, ce qu'on a commencé. Reste comme tu es, et puis chapeau l'artiste. Merci beaucoup, Baboula. À très bientôt. À très très bientôt, et les. C'est le nouveau cri de guerre, donc après What Else, donc on évolue, détail pute, le genre suite. On marche, et la suite arrive. What Else.
On a ramené les coffres, on a ramené la sable, on a ramené l'ingala. On a ramené la danse, on a ramené l'ambiance, on a ramené les poupas. On a ramené les ganda, en coro, le nerf en bois. Tout ça c'est nous, tout ça c'est nous. Je crois qu'ils n'ont pas compris que je les baisse depuis. Le dictateur is back, la récréation est finie. Chante ma hutte dans mon bunker, ton rappeur préféré est un pompeur. J'ai trop traîné en bas, personne ne m'a renvoyé l'ascenseur. Rafa qui s'est pédé, Bambata est bêlé. En tout cas, Bambata m'a aidé. J'ai encore la dalle négée, je vais pas céder. Je n'attends pas que P2O me valide pour m'acheter du Versace. Appelle-moi roi du Zaïre, je n'arrête pas de te le dire. Traîne avec des fouteux, t'as dû me voir dans une soirée ou deux. Regarde-moi bien rageux, je t'envoie une bouteille et je te mets hors jeu. Bowling in.